reparti pour un troisième combat contre Ziga. Petit roublard de calme. Elle est feu du coup. Bah c'est bon, j'ai 50% feu, ça va être easy. Non, je sais pas si ça va être easy. Il met direct un roublabo pour se barrer, mais du coup il joue en Dokugo, je suppose, ouais. C'est le genre de combat qui va durer 3 ans. Donc j'en ai pour un petit moment. Du coup, il m'a mis sa bombe de merde. Mais je pense pas que je vais faire invisibilité maintenant, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc on va... Je sais pas s'il a fait rémission, j'ai pas fait gaffe. Non, il l'a pas fait, donc ça va. Ouais, il est en mode feu, du coup, il a pour me taper, il a pas grand chose. Du coup, bah, on va jouer sur un petit réseau, à mon avis, qui va être quand même assez dur à placer, sachant qu'il a 5000 vita. Ça va être ultra long, 5000 vita plus Dokugo. Peut-être qu'il joue un peu R aussi, voyons voir. Eh bien non, il met un putain de Doppel de merde. Qu'on va peut-être tuer, je sais pas si je le tue maintenant. Franchement c'est le genre de combat qui va se jouer à la Vitamax, donc enfin à l'érosion naturelle, ça va être super long. Donc bon, on va voir comment ça, ce que ça donne. J'ai passé invisible du coup je pense, quoique. Peut-être pas besoin. Il faut vraiment que je spamme les pièges un maximum. Pour bien gêner au maximum. J'ai dit deux fois maximum en une phrase, c'est nickel. Alors 11-6. Il a pas beaucoup d'esquive PM, hein. Je peux aussi jouer sur ça. Il a pas beaucoup de reste du tout, parce qu'il a que 17% terre, 15 feu. Il a un peu plus en agilité, mais bon, c'est pas très gênant vu que je suis pas R. Enfin, je suis pas spécialement agi, même si j'ai des bons stats niveau puissance. Ok, là il prend beaucoup de poison. Putain, il a 14 PA, what? Comment il a fait? Il s'est fait exploser 15 000 bombes, donc bah du coup il a plein de PA pendant un moment là. Mais bah du coup il va utiliser 14 PA sous piège de silence, d'un côté c'est pas si mal. D'un côté ça va faire un bon piège de silence, porte, mais il m'est fait chier avec sa bombe. Faudrait que je commence à mettre des poisons dessus, tout ça, parce que... Roule la botte, bah il va reculer hein, mais du coup il a utilisé 13 PA de piège de silence, ce qui fait des dégâts sympathiques. Ah, il va se prendre pas mal de pièges là, hein. Donc là niveau érosion il va bien baisser. Il a pris beaucoup de pièges, ouais, il a même deux pièges empoisonnés sur la gueule. Ah si, il a déjà le roublabot, d'accord, nickel. Ok, ça c'est un petit peu gênant. Mais je pense pas qu'il puisse me mettre dedans, quoique si, il doit pouvoir. Ouais, il peut me mettre dedans, donc bon, bah je vais prendre des dégâts, c'est pas très grave. Enfin, sauf si il foire, genre, on va voir comment il m'attire. Ouais, là, il y a peut-être moyen qu'il se... S'il passe par là, il se prend le piège de masse et le roublabot il meurt. Nickel. J'avais tout prévu. Nickel, nickel. Bah je peux pas tuer cette bombe. Donc on va la virer. Là j'ai eu un coup de chance. Enfin, c'est même pas de la chance que d'un côté il a mal joué de passer par là. Parce qu'il savait que l'autre chemin était clear. Enfin, ouais, c'était pas très bien joué de sa part. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu de chance quand même. On va jouer safe, lui il a deux pièges empoisonnés sur la gueule, donc il perd beaucoup de vitalité. Il va commencer à rentrer en phase de soins, mais bon, il a pas fait trop le con. Alors là, attention où il va. Ok, nickel, il se prend tout dans la gueule. Donc là, il a 2700 points de vie. Il a trois pièges empoisonnés sur la gueule, ce qui est quand même beaucoup. Il est aussi sous piège de silence. Non, il est plus sous piège de silence. Je vais peut-être essayer de le rusher un peu quand même. Parce que là, il va commencer à soigner, c'est quasiment sûr. Ouais, il va se soigner. Vu qu'il est, il a beaucoup de pièges empoisonnés sur la tête. Ah, ok, roublardise, mais il va reculer. Ça m'étonnerait qu'il joue agressif sur sa roublardise. Non, donc il doit être en haut là-bas à mon avis. Mais je peux même pas aller le toucher. Ouais, bah il va se... Enfin, je sais même pas, il peut même plus se soigner. Il est juste en train de se booster là, ça sert à rien. Ok, il va... Putain, il va de l'autre côté, il est chiant. J'étais en train de prévoir qu'il aille par là, mais je me suis trompé. Enfin bon, c'est pas très gênant. Ah oui, il faut que je fasse un double réseau, ça peut être stylé ça. Putain, j'ai commencé à oublier les bails de SRAM, mais ça c'est vraiment cool. Mais il y a un grave moyen en plus qu'on se... dans ce mode de combat qui est ultra long, où le mec il commence un petit peu à oublier où sont les pièges et compagnie. Il y a moyen de faire un truc sympa quoi. Surtout que là je commence à faire un... Enfin mon réseau là, ça va le tuer dans tous les cas vraiment. Il a pas spécialement de res et tout, donc c'est pas le problème. Mais ouais, si j'arrive à faire un truc cool avec mes propres pièges là... Ah, y'a moyen, y'a moyen. Là, il se place. Ouh là là, c'est dangereux pour lui où il se met là. Parce que là, ça se trouve, c'est gagné pour moi. Ah, là, non, plus maintenant. Bon, c'est pas grave. Faut que je mette de l'impulsion dans mes pièges, ça va être un peu galère. Mais là, ça va se faire, ça va se faire. Du coup, si je finis là-bas.
C'est de voir comment ça va être gérable. En fait, ça va être compliqué. S'il reste à cette case-là, avec toutes les cahuètes et tout, ça va être galère. Mais je pense qu'il y a moyen. Il me met une nouvelle carotte qui n'est pas gênante spécialement. Enfin, ouais, non, elle me gêne pas. Tant mieux. L'autre me gêne, enfin. Les autres carottes me gênent un peu plus, mais celle-là, non. En fait, c'est celle qui me gêne le plus pour l'instant, c'est celle-là. Mais je pense que je vais essayer de la tuer. Allez, vire ta bombe, remets-en une autre si ça te fait plaisir. Mais prends-toi pas mes pièges, par contre, ça c'est chiant. Reviens où t'étais, c'était bien. Oh, il fait chier, bon, au moins ça lui met de l'héros. J'ai pas envie de gagner que ce soit trop fin. Pas simple, mais. Enfin, c'est même pas que c'était dur ce combat, c'est juste long, quoi. Mais. J'ai pas envie de gagner de façon trop banale. Oh, il fait chier là. Qu'est-ce qu'il fait à avancer là? Il est resté loin tout le long. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il me fait peur un peu. Non, 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 suicide-toi pas, suicide-toi pas, j'ai pas fait tout ça pour rien. Oh, non, va pas là-bas. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait, wesh? Dernier souffle, wesh, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, ça ne marchera pas vu que tu vas. Non, ça va servir à rien. Enfin, je vois pas comment il peut me tuer là. Oui, il y a un piège répulsif, donc après tu. Ou alors, non, même pas. Parce que là, même s'il m'attire là, je serai pas à côté de ses bombes. Donc. Nice try, mais non, ça marche pas. Pas chez moi. Alors, bah, il fait bien chier. Ah, s'il se place comme tout à l'heure, c'est parfait. Ah non, il se place pas comme tout à l'heure. Putain, il fait chier. Pourquoi il va par là-bas? Putain, mais. Il joue même pas, genre, logiquement. Non, il fait des trucs bizarres. Mais bon, il va crever tout seul si on continue par là-bas. Parce qu'il a doublé les pièges. Qu'est-ce qu'il va faire avec son robe, la botte? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? À part le tuer. Ouh, il a eu de la chance. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec son robe, la botte? Voilà, il va mourir, très bien, c'était prévisible. On va encore faire genre que c'est par là-bas qu'il y a tous les dangers. Parce que pour l'instant, je finis ici. Donc s'il finit par là, c'est parfait. Tout ce qui est par là, c'est nickel. C'est pas grave, si t'as envie de tuer tout, tue tout, tout. Oh non! Oh, il fait chier, non. Bon bah du coup je vais aller terminer. Je peux pas encore le terminer, mais je vais aller le terminer normal. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Bon, je suppose qu'il est là-bas, j'espère en tout cas qu'il est là-bas. On va utiliser notre double réseau parce que sinon je vais me faire chier. Allez, on va lui mettre des dégâts stylés quand même. Voilà, 2000 points de vie, on va lui mettre la pression, on va essayer de le terminer. Bon, il m'enlève peut-être. Putain, 2 PA, ouais, il a beaucoup de retrait, hein. Ou alors il a beaucoup de chance, ce qui est probable. Bon, il sait que je suis là, mais c'est pas grave, hein, il va pas me faire mal. Il va peut-être me caler un pulsar même, mais franchement, c'est pas grave du tout. Peut pas me mettre dans mon réseau où que ce soit, donc ça va être compliqué. Non, non plus par là. Bon, là, ça fait trop longtemps. 155 tours, je vais le rusher parce que ça m'a saoulé. J'ai voulu faire un clé stylé, le mec a pas voulu. Donc bon, bah on va jouer classique, hein. Il veut que ce soit un combat pas drôle, bah c'est lui qui voit. Pas de problème, moi je peux jouer rush. C'est vrai que si j'avais fait ça depuis le début, ce serait mort avant, hein, mais bon. J'ai envie de faire un truc drôle, moi. Ce qui est chiant, c'est que je suis sûr de gagner, moi, de mon côté. Moi j'ai la confiance. Si ça avait été serré, là, ça aurait été pas mal que ça soit long. Mais bon, là, je suis obligé de gagner, c'est trop easy. C'est tofu, c'est trop easy. Bon bah voilà, c'est juste qu'il fait durer pour rien quoi. Je lui ai fait un truc stylé, il a refusé le gars. Enfin il a refusé. Pauvre petit roublard se prend tous les pièges.
Bon, alors on va le rusher, on va pas se prendre la tête, c'est quasiment fini. Puis de toute façon, y a aucun risque qu'il a pas de bombe. 2700 de vitamine. J'ai quasiment mis d'érosion sans mettre un seul fourvoiement. Mais si, il commence à laguer tellement que ça fait longtemps. Bon, là, on va le terminer, ce petit con. Non, mais là, c'était trop easy. Ça a duré longtemps, mais c'était trop easy. On va même pas le terminer. Ça, je sais pas si je le tue. Oh putain, si je crit, ça le tue. Ça crit pas. Mais il y avait peut-être un piège, remarque. Oui, il y avait un piège. Donc, c'est gagné. Ça fait un moment quand même. 2h05. Et j'ai gagné en étant full vita, comme prévu. Mais bon, voilà, il a pas joué le spectacle. Bref. Dommage, c'est que c'était gagné d'avance, 169 tours. C'était pas déjà l'autre combat qui avait duré 169 tours, c'est mis quelque chose. 2h05, bah voilà, c'était génial, très intéressant. C'était ça, n'hésitez pas à laisser un like, bye tout le monde.